Voilà. Et me dire bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est le jour que nous habitons le culte dans l'église. Et nous pouvons faire des lives. Et c'est mon deuxième dimanche. Et c'est toujours un privilège qui, même nous ne pouvons pas réunir physiquement, et nous capables d'être en communication justement par ce moyen-là. Et l'étude d'abord rendre grâce à Dieu. Nous rendre grâce à Dieu. Voilà, Seigneur, c'est dans le nom de Jésus-Christ, nous te remercions. Ce matin, c'est un privilège, c'est une occasion pour capable partager la parole de Dieu avec tes enfants, Seigneur, du monde entier. Et me louer toi, Père, dans le nom de Jésus-Christ, qui s'acquiquent, qui justement écoute ce message, dont Mouenara partagé de ta part, justement, parce que ce n'est pas moi l'inspiration, c'est une inspiration, qui est encouragé et qui comprend justement le plan de Dieu, Seigneur. Seigneur, moi, je te remercie. Certainement, pour l'impact dans la vie de chaque dimonde qui écoute moi ce matin. Merci pour tout dimonde qui te l'amène, Seigneur, notre Dieu, justement, pour écouter ce live, parce qu'il te la grâce l'immense, Seigneur, notre Dieu. Et de la grâce capable de tout faire, Seigneur. Amen. Voilà. Et justement, ce matin, je vais vous donner un sujet qui est très intéressant. Je vais vous lire un premier verset dans la parole de Dieu. Je vais lire Actes des Apôtres, chapitre 7. Alors, je vais lire tout ça récit que Étienne peut être lapidé, tout ça. Je vais considérer ça, histoire-là. Là. Mais je vais vous lire juste la dernière partie-là. Voilà, le verset 55. Je vais lire. Merci Seigneur. Voilà. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Ok? Et sa dernière partie-là, il trouve Jésus-Christ debout à la droite de Dieu. On est content qu'on vienne une discussion à partir de sa Lily-là. Regarde-moi maintenant. Je connais une affaire qu'on appelle body language, qui tout le monde comprend c'est quoi une body language. Si vous trouvez un chairman, si vous trouvez un chairman peut chair un meeting, et brusquement, il met debout, et avec la voix assez haute, il dit certaines phrases, si ça met debout, et avec la voix bien haute, il dit certaines phrases là, il veut dire plus qu'il met ça à lui-même. Nous comprenons ce qu'on appelle body language. Je vous dis, si vous mettez un titre à ce que vous avez envie de regarder ce matin, c'est Dieu lui déboute. Il met lui debout. Il a un gros meaning, ça. Dieu met lui debout. Et moi, je veux dire qu'il est dans sa situation présente là, qu'il nous peut vivre actuellement, et Dieu, il met lui debout. Et tout au long de ce qu'il m'a vous partagé ce matin, nous pouvons comprendre. Et ça a l'avantage qui justement Dieu les met les debout. Bon. Et il y a une deuxième façon qui m'appelle Dieu met les debout. Là, lui physiquement, il met les debout dans le ciel, qui Étienne est drôle, debout, Jésus-Christ, debout dans la droite de Dieu. Et je suis content d'attirer toute l'attention qui, quand nous lisons la parole de Dieu, et presque partout dans la Bible, on trouve Dieu assis loin du trône. Dieu, principalement, il y a une picture comme quelqu'un qui est assis loin du trône. Et aussi qui Jésus-Christ assise à sa droite. Mais là, comment vous pouvez dire, c'est un cas bien rare, qui Jésus-Christ est debout à la droite de Dieu. Et moi, mon interroge, moi qui fais une debout. Ben justement, à cause d'Étienne, ben l'appel lapide d'Étienne, je pétouille Étienne. Et je comprends pas là qui, à cause, ses enfants peuvent souffrir. Les mettent debout, moi, je dis ça. Et. Si j'ai dit, moi, bon Dieu peut être debout, là, quand il était devant ce trône, il peut être debout au lieu d'assise, il a besoin de réaliser qu'il fait, il mettait debout. C'est justement à cause de ce bain des enfants. C'est justement qu'il allait nous prouver à cause de ce bain des enfants, à cause de l'église de Dieu. Et d'une deuxième façon, se mettre debout, disons pas physiquement, mais une expression qui nous servit, on appelle ça tekisten. Demain, si quelqu'un peut critiquer Jésus-Christ devant moi et peut dire ben truc pas bien, moi pour take a stand, moi pour avancer, pour défendre Jésus, c'est ce qu'on appelle take a stand. Ça aussi, il y a un très gros
expression, vous prenez un stand là-dedans, vous débutez, vous défendez Jésus-Christ. Donc on nous comprend ce qui veut dire take a stand. L'osadim façon débute là, vous parcourez la parole de Dieu, vous gardez dans sa traîne là, comment nous dire, mais vous cause que ça. Vous montrez qui bon Dieu il débute en ce moment. Très intéressant. Et comment vous faites dire là, c'est qui? Elles ont pu raconter, vous dire que voilà, les temps Étienne Pémo, Jésus-Christ met-il debout. Qui fait met-il debout? Moi, j'ai l'impression qu'il met-il debout pour défendre Étienne. Et là, une immense passe dans la tête, pour dire, moi, comme ça, non, le père qui est à côté de lui, qui persiste en même temps, de tuer, qui persiste, Jésus-Christ assis à la droite de Dieu, retenir cela, main. Le fils, mon père, il est là. Pour dire, tu connais, mange ton coup, et cachette l'homme si bizarre. Oui, tes enfants, nos enfants peuvent souffrir, et tiennent peuvent souffrir. Mais laisse-lui, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et c'est ce qui nous calme Jésus-Christ, et peut-être il réassise, peut-être il réassise, qui tiennent pas de trouver. Pour moi, mon frère, aussi, c'est un encouragement extrêmement. Et sa body language de Dieu qui m'a trouvé comment Étienne trouve ça quand il peut être massacré. Ça rappelle moi une autre histoire encore qui est intéressante. Je te rappelle un jour Jésus-Christ rentre dans un temple, dans une synagogue, dans un temple, pour être vain. Étienne a tout un business qui peut dérouler dans un temple, la cour du temple, du moins. On nous a expliqué comment faire tout quelque chose tournant un business. L'idée de prier, l'idée de temple, il disparaît. Mais c'est l'idée de business qu'il a installé, making money, moi nous dire. Et tout ben chef de synagogue, tout ben pharisien, tout ben grand prêtre, tout ben séfri, jamais qui gagne pas une stène. Jamais qui gagne une dire quelque chose. Pas trop connaît, c'est pas de tiers, ça s'attire en eux. Vous pas trop connaît. Mais quand Jésus-Christ est mis dans sa temple là, voilà, vous tout lui prenez une stène. Vous tout lui débout. Vous tout lui fait une affaire. Il était qui stène, comment nous dire. Qui n'y peut défendre? Il peut défendre la maison de Dieu. Tu vois? Il y a maintenant. Et il fait ça avec une colère. Hein? Première fois, moi, tout Jésus-Christ s'assied comme ça. Dieu est amour. God is good. C'est bon. Mais, puis il y a une colère. Il fait une fouet. Il fait tout le monde qu'il a, il renverse leurs gens, il a ben des animaux, ben des pissons plus ou moins. Il brise sa business là. Il dit, maintenant je fais la case, mon papa vient de la case voler. On lui donne une maison de prière. Tu vois, il te questionne. Sa body language, si nous tirons ça, nous voulons nous guetter ça. Plus qu'il soit en action, si sa body language, c'est pas intéressant. Dieu lui prend une stène. Tu vois? Et c'est ce qui m'encourage aujourd'hui, hein? C'est ce qui m'encourage aujourd'hui. C'est ce qui me la fausse aujourd'hui. Comment Dieu il prend une stène. Alors, vous trouvez un mal dans la vie, aujourd'hui, vous trouvez un certain enfantillage qui peut dérouler parmi les enfants de Dieu. Et mon envie, apporte un éclairage, ou ça, côté enfantillage qui vous peut trouver là. Bon, c'est mon opinion, hein. C'est mon opinion. À prendre ou à laisser. Mais si moi, vous trouvez qui. Mais plus de moi, raison, hein. Quand Jésus-Christ dit rien à César, ce qui est à César. Rana Dieu, ce qui est à Dieu. C'est une histoire qui a beaucoup profondeur là-dedans. C'est un enfant qui n'a pas qu'on choisir. La Bible montre un choix là. Rana César, ce qui est à César. Rana Dieu, ce qui est à Dieu. Connais pour qui ça a fait qui, faire quoi, le tel a fait quoi. Déportage, ça bien. Mais quand il y a un mal déportage, moi, tribuler l'action de Sanala pour le côté pas ici, mais là. C'est un enfantillage. Right? Et justement, moi, je suis du droit de ces affaires qui bien importe dans l'eau. Là. N'a pas toute situation qui paraît mal, vient du diable. Non. À cause de moi, il y a 6 heures qui est à 6 heures, il y a Dieu qui est à Dieu. Et c'est comprendre qui peut passer, vraiment. Vous voulez quelques versets dans Deutéronome 32. Quoi qu'il y en a tout le chapitre 32 à lire.
Mais vous avez possible, il y a tout. Bon, vous lire à partir du verset 17, 32, 17. Regarde ça. Et vous parlez jusqu'à verset 27, du moins 10 versets, vous lire. Faites nous comprendre cette affaire qui. Bien bien servi, bien tiens à l'enfant, tiens ça. Bien connaît bien débattre. Bien connaît qui le diable fait et qui Dieu fait. Ouais, très important. Parce qu'il nous prend tout le mal venu du diable. Ok. Bon, c'est mon opinion, toujours mon Dieu. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu, à de Dieu qu'ils ne connaissent point. Nouveau venu depuis peu, et que vos pères n'avaient pas crainte, tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Verset 18, ça. Nabodia 19. L'Éternel l'a vu, et il est irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car c'est une race perverse. Ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie, parce qu'il n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles, et moi j'exciterai par leur jalousie, parce qu'il n'est point un peuple. Et je les irriterai par une nation insensée. Quand le feu de ma colère s'est allumé, il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts, il dévorera la terre et ses produits, il embrasera des fondements des montagnes, j'accumulerai sur eux les maux, j'épuiserai mes traits contre eux, ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre et les maladies violentes. J'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces, et le venin des serpents. Au dehors, on périra par l'épée. Au dedans, par d'effrayantes calamités. Il en sera du jeune homme comme de la jeune fille, de l'enfant à la mamelle comme du vieillard. Regarde le verset 26. Je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle. Je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes. Verset 27, intéressant. Mais je crains les insultes de l'ennemi. Je crains que leur adversaire ne se méprenne et qu'ils disent « Notre main a été puissante. » Et ce n'est pas l'Éternel qui a fait toutes ces choses. Donc, toutes ces histoires qui vous fait lire, qui n'est pas agréable, Dieu vient de vous faire, il dit « Je pense pour faire ça, l'autre. » Maladie, etc., détruit, etc., etc. Mais mon pays affaires, Dieu dit. Tension de l'ennemi prend sa crédite là. Tension de l'ennemi dit, hey, c'est pas bon Dieu qui fait ça. C'est nous qui fait ça. Waouh. Vous savez? Quand nous disons, rends à César ce qui est à César, rends à Dieu ce qui est à Dieu, nous sommes bien dépendants. Vous trouvez? Quand une histoire arrivée, connaît, est-ce Dieu ou est-ce le diable? Bon. Merci Seigneur. Merci Jésus. Très important de nous comprendre ça. Très important de nous comprendre ça. Et quand nous guettons l'apôtre Paul au chemin de Damas, il n'y a pas même quelque chose d'agréable. Il n'y a pas quelque chose d'agréable. Il est tombé et il vient aveugle, etc. Ce n'est pas quelque chose d'agréable, ça. Mais nous connaissons Dieu qui fait ça. Vous voyez? Nous connaissons Dieu qui fait ça. Et aujourd'hui, on a une réflexion, nous. Moi, j'ai une réflexion. Je trouve aujourd'hui l'église qui nous appelle l'autre quatre mirailles, il s'est aimé. Bon. Je vous demande une question, mais qui a fait ça? Le virus? Le diable et Yélène ferment l'église entre quatre mirailles? Je ne sais pas trop. Mais je vais vous réflexion. Là, actuellement, là, tout le pasteur du monde entier, je te l'ai au Facebook. Je peux tenir ben enseignement live comme on peut faire ce matin. Les mots ben nombre de views du viewers que gagné. Vous étonnez, right? Même Boris ça me trouve ben gagné 3000, 4000, right? Moi par exemple moi-même si vous pouvez prêcher dans l'église vous prenez une centaine de personnes. Mais viewers me gagne plus que 1000 passé dimanche dernier. Trouvez là. Donc est-ce qu'il est évangile il n'est pas fait profiter là-dedans? Vous trouvez?
Vous trouvez ben pasteur mauricien, là, actuellement, là, et viewers, 4000, il y en a 3000, 5000, il y a des comme ça, hein. Mais pourtant, ceci dans une église, moi, ce qui m'a dit, monde, tu vous prêchez. Moi, ce qui m'a dit, monde, c'est une place. Mais oui, c'est une place énorme, plus qu'il m'a, on ne sait pas. Vous trouvez? Mais, c'est même femme ça, l'église en 4 mirailles, là, là, ça, c'est ma question. C'est même femme ça, l'église en 4 mirailles, là, là. Non. Vous ne connaissez pas. Vous dites, si vous ne connaissez pas, vous faites vous réfléchir. Réflexion. L'évangile me presque beaucoup là. Là, actuellement, il y a même des gens rétrogradés qui ne partent pas de l'église. Hein? Qui ne partent pas pour bien de l'église. Mais dans le confort de sa maison, avec ce potable qui est dans ce poste, il tire à l'imé, il vous trouve moins avec les églises. Je vais prendre l'exemple de moi là. Il y en a plusieurs, comme moi, le live. Vous trouvez? Ça rétrogradé là, il écoute la parole de Dieu. Parce qu'il y fait. Il y a une panique parce qu'il y en a des hauts là. Et le fait de rétrograder, il connaît la parole de Dieu. Il connaît que la vérité existait. Mais il y a une honte pour venir de l'église, pas pour venir de l'église. Vous trouvez? Des fois, nous attribuons trop beaucoup d'affaires au diable. Des fois, nous ne trouvons pas qui. Comment on fait que tu es là? Dieu dit à si mon fils, ça va nous affaire là, aux autres. On fait que tu es des terrenomes, ça fait 27, 32, 27. Mais mon père, Dieu dit à mon père, attention, l'ennemi prend sa crédit là. Attention, l'ennemi dit à lui. Je ne vais pas dire qui bon, vient de faire ça, c'est moi qui me fais ça. Dieu dit alors, ok, je ne vais pas faire ça. Tu vois? Mais, tu as content, bien, nous venons matures dans la vie. Nous bien qu'on partage dans la vie. Très important. Il y a beaucoup d'affaires qui me trouvent bon, Dieu fait, qui dit que par cause, ça, pas réaliste. Hein? Quand vous dites, vous pouvez cause enfant de Dieu, nous chantez, God is good all the time, God is good. Yes, God is good all the time. Ça, vous d'accord entièrement. Si pas si bon, pas si bon là. Vous êtes un vrai qui ne pas mérite ça. God is good, vraiment. Ouais, très bien. Et je trouve une verset qui souvent, même qui peut commenter ça, pour justement montrer qu'il a quarantaine, qui actuellement existe, il trouve dans la Bible, Esaïe 26, très commun, ça verset là ou d'aujourd'hui, pour dire, bon, la quarantaine, c'est confiné, comme on dit, Esaïe 26, voilà, vous dites, là, les bibliques, c'est vrai, pourquoi pas. Va mon peuple, entre dans ta chambre, verset 20, et ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit apaisée. Livrer une quarantaine, livrer un confinement, comment nous dire, nous confiner en dedans. Mais, qui faire? Guédéo qui est là. Quand voici l'Éternel sort de sa demeure, body language intéressant, il n'est pas assis au trône, hein. Sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu, etc., etc. Maintenant, qui fait lui dire, le verset 20, va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi, casse-toi pour quelques instants, jusqu'à que la colère soit passée. Dieu est dans la colère de Dieu. Nous attribuons au diable. Bon. Il y a une histoire qui passe dans la tête comme au cours de ça. Dieu a envie de séduire Akab. Parce qu'Akab est méchant, etc. Il dit un mot. Dieu a décidé. Mais Dieu fait un appel. C'est là qui peut faire ce travail-là pour moi. Il y a un démon pareil. Tu vois? Un démon pareil. Il y a bon, mais vous faites un travail-là. Dieu a demandé comment vous faites ça, tu vois? Il dit voilà, vous prenez un mensonge dans la bouche de ce prophète. Tu vois? Bon, attribuer au diable tout malien qui arrivait, est-ce qu'il m'a matou là? Bon, jugez vous-même alors. Vous voyez? Non, il y a même quelque chose qui est bon, tu peux faire. C'est mon impression. Mais bien, I'm wrong, you decide. Bon, puis arrive à une place que, une nouvelle parenthèse pour causer une affaire que. Ça enfantillasse chrétien, bizarre arrêté. Il y a une maturité pour se dire, ben, affaires. Rien à César, qui est à César, rien à Dieu, ce qui est à Dieu. Est-ce que nous comprenons ce qui peut arriver? Mais ce qui est joli, on fait commencer à vous dire que Dieu, il peut être Christen. Dieu, il peut débouter en ce temps. C'est ça, mon vrai encouragement, là. Vous pouvez donner ça d'aller là. Mais vous pouvez éclairer ça pour un peu. Rien à César, qui est à César, rien à Dieu, ce qui est à Dieu. Vous pouvez venir avec ça. Je te rappelle, Moïse, il y a une conversation avec Dieu, il n'a pas envie d'aller, etc. Il est découragé, il dit non, il n'a pas cause facilement, il a une articulation peut-être facile, il n'a pas un grand discours, etc. Il dit, mais plein, bon Dieu, ok.
Deux dernières affaires. Tu dis que ça n'a qui rend d'homme, que ça n'a qui rend. Qui s'en a qui rend ben dit, mon bon y'a dit, Esaïe, Exode 11. Regarde sa déclaration. Exode 11. Le, Exode 4, 11, pardon. 4, 11. Exode 4. Voilà. 11. Regarde ce qu'il dit. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd? Ah là 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 là. Qui rend muet ou sourd? Voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Alors là, 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 ça fait réfléchir. Tu vois? Merci Seigneur. Fais réfléchir. Which is which? On a ses ordres, on a ses ordres, on a Dieu ce qui t'a Dieu. S'il comprend, s'il comprend qui peut arriver, qui peut passer. God take his stand. God take his stand. Ça, c'est mon encouragement. Vous retournez que ça, là. Mais vous pouvez poser un tableau. What is going on around, autour de nous? Merci, Seigneur. Vous avez bien réalisé que quand la sœur de Moïse, il fait une imbécilité, vous connaissez qu'il a imbécilité au précoce, et il devine lépreux. Et à plus loin, Dieu dit comme ça, mon grâce l'oli. Mon grâce l'oli, God is good all the time. Yeah. Mais aussi grâce l'oli, mon. Mais grâce l'oli, la sœur de Moïse, qui fait Moïse comprendre. Moïse, il souffre parce que c'est « Oh Seigneur, etc. » Moïse a dit « Non, non, mais mon grâce au lit, 7 jours. 7 jours. » Tu vois? Mais parmi vous autres, qui est Dieu? Nous affirmer nous connaître Dieu? Est-ce vrai? Est-ce vrai? Espérons. Merci Jésus. Quand Zacharie saute dans le temple, pour cause de papa de Jean-Baptiste, il est muet, hein? Il est muet. Qui s'en fait les muets, là? Est-ce le diable? Peut-être si tu viens dans l'église que moi, tu me dis comme ça, bon, tu as besoin de délivrance, frère. Tu as besoin de délivrance, ça. Tu es muet, un démon trappe-toi, sourd-muet, trappe-toi peut-être. Il dit aussi sourd-muet, hein. Pas si c'est muet. C'est sourd-muet. Hein. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et moi, tu peux ça, c'est bien un démon. Moi, tu peux. Apporter une délivrance. Mais moi, je suis langue. Moi, je suis capable de démoner dans tout le langage du monde. Anglais, français, moi, je suis whatever. Mais, ça va, tu vous sens en situation là. C'est parce qu'il est bon Dieu qui nous rend muets. Juste pour 9 mois. Nous connaissons l'histoire. Merci Jésus. Quand nous guettons ça, display l'eau, les yeux là. C'est pas une bonne affaire. Hein? C'est pas une bonne affaire. Non, c'est une histoire qui beaucoup la peine d'y aller. Quoi qu'il mène enfant de Dieu, tu passes ça. Non, c'est vrai. Mais c'est Dieu qui nous fait ça. Merci Seigneur. Tu vois? Alors, je vais éclaircir un point qui est bien important. Moi, je dis c'est mes enfants qui ne peuvent pas porter asile. Pas qu'on fait la part des choses, je veux dire. C'est mes enfants. Mais l'adulte, non, ne connaît. Je dis là, sa maturité là pour discerner. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui est arrivé dans le monde? Merci Seigneur. Il y a pourtant nous comprenons ça. Right? C'est un fait, il fait un début quand les hommes, une fou. Mange dire. Mais c'est un démon. Je ne pas connu. Parce que je fais que j'étais là quand bon Dieu, c'est Dieu racable, c'est un démon qui fait ça. Mais c'est Dieu qui rend les bucs des hommes et pour les répentir plus tard. Merci Jésus. Vous trouvez? Alors, je vais commencer par dire que Dieu lui paye des bouts de autres, frères et sœurs. Il paye des bouts. Ce body language, très très faux. Et la neuve façon aussi des bouts, c'est Tékistan. Quand d'un temps, personne ne trouve ça vilain, pas bien fait. Non, c'est synagogue, directeur synagogue, ça ne trouve ça pas bon. Mais Livin là, il est Tékistan. Il dit non, c'est pas beau. La case, mon papa, j'ai une maison de prière, ben la case folie, il est Tékistan. Maintenant, sachant qu'il bon Dieu pour une stèle, et mon Dieu, là, qui fait à cause de ses enfants. À cause carrément de ses enfants. Mais chaque autant retourne avec une histoire concernant ses enfants, concernant moi et Kouzoudi, qui peut écouter la parole de Dieu. C'est à cause d'où, hein, si bon Dieu prend une stène et paraît de belles histoires, et puis pas trop joli qu'il y fait, hein, c'est à cause de ses enfants. Merci Seigneur. Alors là, mon boulier, Ézéchiel 34, qui vaut la peine de dire,
Ézéchiel 34, vous lisez ça là. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ézéchiel 34, le verset 8. Le verset 8, regarde ça. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis, regarde ça, ces enfants-là, hein, sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de tous les bêtes. Pardon. Des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prennent aucun souci de mes brebis, et qui se paissent eux-mêmes, et ne fessent point paître mes brebis. Puis loin, il y a une affaire qui est intéressante, il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je jugerai entre brebis grasses et brebis maigres. Comment tu as gratte-toi de ta lame, tu m'as endormi, mangeoir. Il dit alors, de ta coude d'épaule, parce que vous avez heurté avec, avec le côté, et avec l'épaule, et frappez vos cônes, toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous ayez chassé. Maintenant, qui fait Dieu l'Iprenstein? Qui fait Dieu l'Iprenstein d'après moi? Hein? Debout, où Princeton, défendre ses enfants. Parce qu'ils ont dit, quand vous trouvez les enfants de Dieu, beaucoup de misère, les enfants de Dieu, peut passer. Beaucoup de misère. Dans toute façon, pour avoir des trois exemples, vous trouvez certains qui peuvent faire ben des enfants bontiers, mon faire un pasteur peut faire souvent fidèlement, mon dire. Non, ben dominer, ça. Ou tout certains peuvent faire ben une pratique bizarre, vite coca, ben il aux autres, faire ben à boire, il vit une baignée pasteur là. Nous gâtons le social media. Après, dans les autres dominés qui ou même ou qu'à imaginer qui mènent des enfants bontiers, mais passer ces outils. Ou qu'à imaginer. Bon, dans le Nigeria, ben a peut tuer ben chrétien. Les Boko Haram et tout ça, puis tuer ben chrétien. Right? Dans l'Inde, je suis madame, massacré ben chrétien. Partout, partout, partout. Globalement parlant, ben chrétien, ben enfant de Dieu, passe beaucoup de misère. Hein? Beaucoup de misère. Dans toutes autres façons de la vie. Il y a quelque chose qui ne m'a pas dit, oh, quand tu es misère, ben enfant de Dieu, passé, parce qu'il m'a mis sur les social media. Right? Mais ou assez grand, ou matou, moi, j'ai ouvert matou, tu es là. Ou bien matou, là. Vous faites bien, bien mettre portable. Bien comprendre ce qui peut arriver. Mais l'enfant de Dieu, il passe beaucoup de misère. Alors Dieu, il sortit pour Princeton. Dieu, pour moi, d'après moi, il sortit pour Princeton. Est-ce qu'il m'a raison? Qu'est-ce qu'il dit à Moïse, que de buisson en dedans? Il me dit les souffrances, mon peuple, il monte vers moi. Tu vois? Il qui trône tout l'allée. Dieu qui trône tout l'allée. Il est au montagne, là. Il me dit Moïse au montagne. L'inté qui se tenne, l'inté déboute là, papa. Qui fait? Il dit bien, à cause de mes enfants, peut souffrir. À cause de mes enfants, peut souffrir. Merci Jésus. Moi, je vous dis une affaire. Hein? Génération enfant de Dieu, peut beaucoup souffrir en ce moment. Surtout qualité torture. Surtout qualité torture. Voilà, vous dire que ça n'a pas de torture. Qui? Mais mon content quand il dit, vous disant de brebis gras, grasse, pardon, et brebis maigre. Si moi je mets ou bien moi gras, Dieu jugé dit. Tu vois? Mais voilà un petit peu l'idée que mon envie pour être ce soir, ce matin, pardon, excuse-moi. C'est justement Dieu, il peut déboute. Etienne trouve des boutes. Une première question qui fait, il déboute. Il déboute parce qu'Etienne peut gagner parti. Right? Dieu lui stand. Ce body language très intéressant. Et puis je connais qui. Je dis premièrement, bon Dieu, il peut prendre une stène, il peut débout, tout qui soit par le mal, par du diable, et bien des trucs qui bon Dieu fait, moi je fais guetter bien des trucs qui bon Dieu fait lui-même. Et à un moment donné, il dit, ça, si vous faites ça, vous faites ça, là, des bandes affaires, pas bon, hein. Vous payez à qui l'ennemi prend crédit, là, non. L'ennemi dit, non, moi qui ne fais ça, pas bon Dieu qui ne fait ça, pas bon Dieu qui ne fait ça. C'est-à-dire, bon Dieu, tu peux faire lui, bon Dieu, pas faire lui. Il est dans 32, ne fait guetter ça. Et des affaires qui bon Dieu pas capable de tenir encore longtemps. Il n'est pas capable de tenir trop longtemps. C'est le péché. Le péché, c'est tout ce qu'appelle transgresse la parole de Dieu. Définis-moi le péché, parce que vous voyez. Tout ce qu'appelle transgresse la parole de Dieu. Tout ce qu'appelle transgresse la parole de Dieu. Le monde, il peut transgresser, oui. Mais quand il transgresse, c'est pas un minimum. Là, c'est un problème, vous trouvez. Et. Vous n'êtes que beaucoup content encore. Tous les droits, vous parle de Dieu, la Trinité. Vous êtes vingé d'Abraham. Suivez-moi dans ce que vous avez raconté. Est-ce qu'il y a un qui se trône? Non, c'est omniscient.
vous êtes omniprésent, vous êtes aussi dans l'autre. Mais l'inexplicable à mon niveau. Mon mémoire, mon brain, mon compréhension illimitée. Comment les trois lots, la terre, puis moi aussi avec Abraham. Vous êtes venu debout devant ce dôme, un petit peu près en ce dôme, vous êtes levé la tête, vous dites Abraham, get ça. Spécie ce dôme, il fait moi beaucoup de mal. Mon vini, pour prendre sanction contre ce dôme. Et Dieu, il t'est qu'il stène. Il n'est plus qu'à tolérer ça. Donc, il nous a fait crier, ouais, Seigneur, get sa situation là. Mais comment t'en peux-tu, toi, sauve le PC? Tu peux jouer coup caché, ta vie. Comment t'en peux-tu, toi, hey, mettre le PC de haut, hein? Prends-toi la sainte scène avec un de qui est droit. Non, oh, de ce coup caché. Dieu, il t'est qu'il stène. Merci Jésus. La tour Babel, pareil. Hein? La rébellion. Il y a maintenant multiplié, etc. Ben, là, nous présente cette place. Le mot d'un skyscraper. Un gratte-ciel, nous monte, nous présente cette place. La désobéissance, la rébellion. Dieu vient guetter, trouver. Et il est bizarre, il prend une stène. Il dit tiens, regarde ce que je vais faire. Nous confondons notre langage, nous mettons un des autres parmi eux. Personne ne comprend son camarade. Oui, personne ne comprend son camarade. L'histoire a arrêté. Dieu t'est christène quand il y a le péché, quand il y a la rébellion. Un jour, est-ce que ça compte une parabole, faire réfléchir, nous. C'est une parabole. Tiens, bon, Dieu n'a pas eu un prophète pour s'y aller, pour causer avec le peuple. Mais là, écoutez, il y a eu ce garçon, Matthieu 21, ça. Il y a eu ce garçon. Il y a ben Dimouna qui dirait là. Hé, hey, l'héritier, ça, rappelez-vous, nous prend possession. Et là, le Christ, comme ça, mais quand le maître vient qui dit pour faire ben Dimouna. Pas ben affaire agréable. God is good all the time. Yes, it's good. Pas ben affaire agréable qu'il dit là. Merci Seigneur. Merci Jésus. Dieu libère Princeton. En ce moment, Dieu libère Princeton. Merci Jésus. Merci Jésus. La rébellion, le péché. Ses enfants souffraient. Dieu me prend Stein. L'apôtre Paul vous dit, ça n'est pas de langage. On ne se moque pas de Dieu. Non, on ne se moque pas de Dieu. Si mon médecin créole, pas pour moi, Dieu prend un bouffon. Pas pour moi, Dieu prend une plume. Non. Paul dit ça. Pas pour moi, Dieu. Ils ont dit, mon péché de leurs social media, vous trouvez une affaire qui... Fais-moi content d'une façon. Right? Mon tout premier ministre italien, l'itrice, c'est moi. Hein. Ce qui me passait en Italie, l'itrice, mon prier pour eux. Premier ministre italien, peut pleurer. L'homme dans l'Igée. Peut pleurer. Vous trouvez un docteur, un athée complètement. Un docteur italien. Peut tourner vers Dieu. Il est athée, il veut raconter moi, etc. Il veut reconnaître bon Dieu. Est-ce qu'il le goal de Dieu par la terre? Tu mets une grande la terre, tu trouves une des plus grands. Ah oui, mais un chef d'État, whatever tu étais, t'es zéro là, toi. Tu vois? Le tout petit monde de Dieu. Et vous voyez aussi, c'est un gros la moisson que nous pouvons trouver. Hein? Les choses terminées là, si toi la terminée, vous avez un gros la moisson. Mais non, vous avez une partie qui vous dit, bon, mais ok, tempête est passée, nous continuons la vie as avant. Dis beaucoup comme ça, mais un bon parti pour prendre décision. Ouais. Goal de John Princeton là. Moi j'ai l'impression de John Princeton. Dieu mettait debout. Merci Jésus. Dieu lui aussi mettait debout pour soutenir ce bon serviteur. Vous voyez, on a fait cela. Je crois dans un moment comme ça là. La Bible nous dit que quand ben apôtre, il prêche l'évangile à l'époque, primitivement, bien longtemps, ben premier apôtre, Dieu t'y prend une stène pour faire ben miracle et ben guérison. Ça peut être paralysé dans l'anglais. Dieu bague, Dieu déboude, Dieu prouve ce message, c'est vrai. Dieu prouve l'évangile pour ben miracle, pour ben guérison. À l'époque. Il s'est fait pendant ce qu'il a dit. Mais là, il faut dire plus. Ben miracle. Ben guérison, pour venir dans l'abondance. Oui, ben miracle, ben guérison, pour venir dans l'abondance. Dieu vous prend une stène derrière ce ben serviteur.
Moi qui m'avais entendu la parole de Dieu. Moi qui priais pour vous quand vous êtes malade. Moi qui priais pour vous quand vous avez des histoires. Dieu Princeton. Pour montrer qui me ce serviteur. Et tout même pasteur quand même. Nous sommes serviteurs. Et de vous produire un miracle et une guérison. Et vous produire. Mais content quand Jésus-Christ dit comme ça, le diable est venu pour détruire, égoser, voler, faire une massacre. Il dit, mais mon fini. Tu vois, Princeton, il n'est pas capable de sa situation là. Le diable est venu pour massacrer, pour détruire partout. Qui lui fait d'ailleurs? C'est quoi, les bras? Non, il dit, mon fini, moi ici. Mon fini pour faire pour donner la vie et la vie en abondance. Tu vois, Princeton, pour content, ça a bon Dieu, Princeton. Pour moi, dans mon fond, les caisses, on dit, hein, avec tout ce que je suis capable de trouver, vivre et attendre derrière moi, moi, je dis, non, God is standing. Dieu est Princeton. Et si une Princeton, me safe, me dans safe side là. Me dans safe side là. Merci Jésus. Je suis content de verser Corinthiens qui dit comme ça. 1 Corinthiens 20. 1 Corinthiens, pardon, vous dites, allez, 1 Corinthiens. Pardon. 1 Corinthiens 1er 20. Qu'est-ce qu'il dit, hein? Ça, il arrive sans aujourd'hui là. Hein? Il arrive sans aujourd'hui. Ben grand de la terre fait là. Ben grand de la terre fait là. Merci Jésus. 1 Corinthiens 1, 20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Non, tu dis moi une zéro là. Tu dis moi une zéro. Personne ne connaît moi pour faire quelque chose là. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tout même dirigeant du monde, le zéro, t'as qu'à faire non. T'as qu'à faire non. Dieu, sa souveraineté, sa suprématie, il est bien là, il est bien réel là. Vous trouvez? Bien réel. Vous enfin, savez, à qui vous pouvez raconter ce matin? Sa histoire, Étienne trouve Jésus-Christ des bouts de intéressant. On va prendre Dieu assis de un trône, Jésus-Christ assis à sa droite. Je peux chair le world, soudain, autour Jésus-Christ mettait des bouts. Étienne trouve lui mettait des bouts. Vous dites, waouh! Body language intéressant, hein? Comprend. Why? Ses enfants. Comme je dis, il y a le père qui a côté, on dit, papa, regarde mon garçon. Pouf. Regarde mon garçon qui peut gagner. Je crois que vous pouvez aller, vous pouvez le défendre. Le père dit, non. Pas maintenant. À moi la vengeance. À moi la rétribution, fiston. Cise-toi, mange-toi l'homme. Mange-toi le coup. Jésus-Christ peut manger ce coup pendant toute l'année là. Merci Seigneur. Merci Jésus. Vous connaissez? Outcome of sa histoire peut arriver là, sur outcome, ce qui peut arriver après. Sa histoire là, il peut arrêter ça, hein, il peut arrêter ça. Il peut arrêter. Quand, comment, on ne pas connaître, mais il peut arrêter. Merci Seigneur. La Bible que moi dans Habacuc chapitre 2, verset 14, qui va vous lire? Habacuc chapitre 2, verset 14. Où se trouve Habacuc? Voilà, j'arrive. Habacuc chapitre 2, verset 14. Regarde ce qu'il dit. Quand la terre sera remplie de la connaissance et la gloire de l'Éternel, comme les fonds de la mer, comme le fond de la mer par les eaux qui les couvrent. Regarde cette connaissance de Dieu qui pour répandre. Outcome, enfin, cette histoire-là. Si cette histoire-là est suffisante pour un deuxième épisode, si le deuxième épisode est suffisant pour un troisième épisode, it will go on like this. Mais c'est outcome qui est important. Vous comprenez quand vous dites ça? Vous dites, mais ça, Seigneur, ça m'est arrivé ça. Quand la terre sera remplie de la connaissance et de la gloire de l'Éternel, comme les fonds de mer par les eaux qui les couvrent. Ça viendra, mon frère, mon sœur. Ce sera outcome. Comment Pauline connaît Jésus-Christ? Donc, c'est pas les filles correctes, hein? Donc, c'est pas les bosses, les bourgeois. Tout souriant, ils peuvent faire un massacre, ils peuvent détruire un enfant volontiers. Il y a un pouvoir, il y a une bosse. En bas, c'est Val qui arrive. En bas, c'est Val, il y a qui es-tu, Seigneur? En bas, c'est Valcan sur l'île brossée. Right? Aveugle. Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? En soc, fait du roi de bon Dieu. Hein? En soc, fait du roi de bon Dieu. Depuis la nuit des temps, Maurice m'a compris que 50 bananes. Okay? Rayon, l'eau, zardin, rayon partout, la tente, etc., l'église. Ah, répenti. Qui s'en a qui écouté? Il y a un qui dit, on écoute. Il y a un qui dit,
Sinon, l'église va trouver la place pour être dit. Si tu dis, tout va bien t'écouter. Mais là, moi, je me mets ça outcome là, moi. Qui peut arriver ça outcome là, moi? Ouais. C'est du monde pour remplir la connaissance de Dieu, du monde pour le bon Dieu. Là, il y a mal rétrogradé qui te tient la case, pépé, regarde-moi, merci. Merci, coucou. Écoute-moi bien, mon frère, mon sœur. Les choses sont difficiles, là. Ah oui, c'est tous les nous qui ont cabossé. Pourquoi tous les nous qui ont cabossé? Oui, vous connaissez. Ben, c'est nous qui m'appellent ben situation. C'est vrai, ça meaning là, il existait. Mais tous les nous qui ont cabossé. Tous les nous qui ont cabossé. Tu vois? Tu l'as langue confessée. Il peut venir, ça haute comme ça. Il peut venir. Tu vois? Alors voilà ce que m'a pégé ce matin, c'est qui, ce qui impressionne moi pour créer, pour cause, justement, dans ce sujet-là aujourd'hui, c'est Jésus-Christ debout à la droite de Dieu. Sa body language est intéressante. On va dire, waouh! D'habitude, il y a un petit assisté, mais qu'est-ce qui se passe pour lui debout? Ses enfants passent misère. Il peut venir. Tu vois? Il peut prendre stand partout. Merci Seigneur. Nous trouvons qui? Pas tout qui va mal, c'est le diable fait ça. Non. Si bon Dieu, c'est le diable, ça n'a pas mon problème, ça ne va pas connaître, moi. Mais on veut dire simplement qui? Il dit que ça ira en sourd, que ça ira en aveugle, que ça qui fait trop clair, qui n'est pas trop clair. C'est moi, dit Dieu à Moïse. C'est moi qui fais madame, pas trop clair. Moi qui fais ça. Ouais. Très, très important. Merci Seigneur. Non, on a qui sont qui bon Dieu peut faire. Ben, trop moque de Dieu. On prend bon Dieu au petit bonnet. Répentis, frère, répentis. Personne ne va écouter. Mais ça, c'est que là, un cycle extraordinaire, ça. Ça, c'est l'épisode premier, ça. On ne sait pas combien d'épisodes, bon, j'ai gardé. Mais moi, on veut dire, on a fait qui, moi, écoute, ces enfants. Nous poussons, nous. Hein. Mon courage, nous poussons. Tout plaît qu'il n'a pas eu l'onésime. Mais les enfants de Dieu, partis pas ça, non. Ouais. Nous poussons, nous. Nous poussons, moi, la foi, nous poussons. Nous poussons, nous pouvons manger, tu nous. Manger paraît difficile en ces derniers temps. Arrête, tout le monde peut viser un risque de famille. Mais la famille qui peut dire, moi, tu connais, vous avez un tel, vous pouvez manger, vous pouvez faire provision, etc. Bon, ok, vous pouvez débrouiller. Nous poussons, nous, enfants de Dieu. Merci, Seigneur. Maintenant, je vais vous raconter une autre histoire. Vous avez un petit peu de temps devant moi encore. Je crois que vous avez presque 40 minutes là, mais vous avez un petit peu de temps encore, vous vous dites. Je vais vous raconter une autre histoire qui est vraiment intéressante. D'abord, nous devons comprendre. Je vais vous raconter une histoire qui est très, très jolie qui peut arriver. Très, très jolie. Even if God behind some of the affairs. Ok, c'est mon opinion. Apprends-nous à laisser. On me dira plus tard. Regarde ça. Vous connaissez le sang de Jésus qui a une prix pour mon péché. Pas de payer au diable, ça. Jésus-Christ, quand il prend ce sang, il donne ça à Satan. Il dit, hey, tu dois à toi avant, il ne veut payer toi. Non, jamais. Le sang payé à Dieu. Parce que le péché qui craint une dette vis-à-vis de Dieu, ça. Le péché, il craint une dette vis-à-vis de Dieu. Sa dette-là, il s'est tenu vis-à-vis de Dieu. Donc, quand le Christ paye le prix de son sang, qui l'eau l'argent parce qu'il va l'or, on a envie de dire, il parle de ça le diable, il donne ça Dieu. Mais ça devant Dieu, il paye Dieu. À nous dire, il paye Dieu, il a une langage bien simple. Maintenant, si nous ne comprenons pas ça, nous ne comprenons pas ce que mon père raconte. C'est un mot pour expliquer, le bien explique ça avant, que le prix du sang de Jésus, pas d'être donné au diable, ça. Non, une donnée à Dieu, ça. La dette était auprès de Dieu, pas auprès du diable. Le péché. Right? On en regarde ça. Imagine un petit moment, un court instant, le pays d'Égypte, le jour que là, l'ange de la mort est passé. Imagine ce pays-là, le jour que l'ange de la mort est passé, et il tape tout la case, pour un l'amour. Le jour où il y a une histoire qui. Un docteur peut dire à la télévision. Si nous ne prenons pas en compte, confinement, reste la case. Si ne si pas reste la case, bon, ici, on peut dire où reste la case. Où la case, bon. Si pas reste la case, un problème. Il dit, si pas reste la case, dans ça que la case prenne un entièrement. Donc, il y a de ça. De tout temps, on ne va pas inventer rien. Donc, il y a si nous n'avons pas obéi à confinement, reste la case, passe au petit parent devant la foule, prenne un entièrement dans ça que la case. On va dire, l'Égypte, là, on dit, c'est un entièrement dans ça que la case, c'est dans sa zone. Bon. Passons. Non, il est avec ça. On dit ce qu'il y a comme ça. Oui, nous retournons avec l'Égypte, ça se roule. L'ange de l'amour, parce qu'il peut donner l'amour partout, Mais tiens, il y a l'autre avant qui, Dieu dit, ok, ben les enfants, bon Dieu, les autres qui se faisaient faire, passe 10 ans l'agneau, qui se sont immolés, etc.
Vous êtes l'apôtre. L'un est l'apôtre, l'apôtre. Un peu l'un est l'apôtre, tout est l'apôtre. Parce qu'ils disent pas, vous connaissez ça, cette histoire. Et vous êtes poussé fondant. Vous êtes poussé fondant. Maintenant, laissez-moi vous donner un scénario comment ça s'est passé. Bon, on a une belle image, moi. On a une belle image comment ça s'est passé. Bon, première impression que vous avez quand vous lisez ça, vous dites, bon, mais l'ange de l'amour est passé. Il tout ça la casa peine à 10 ans. Il tu viens dans un kikan là-dedans, premier né. Il y a allé parce que ça veut dire la casa, il trouve peine à 10 ans, il tuyé. Passé, quand la casa peine à 10 ans, il tuyé. Quand la casa, il trouve 10 ans, quand la casa, il trouve 10 ans, il y a allé. Il souhaitait y aller. Est-ce que ça ne passe comme ça? Non, mon Dieu. Non. Bon, voici comment ça ne passe. Scénario, là, comment ça ne passe. Regarde ça. Mon fait qu'il y a un là qui dit ça, il n'a pas de payer à Satan, il paye à Dieu. Donc, ça lance de l'amour là, pas capable de trouver 10 ans là pour l'exemple qui est la case. Ils sont là pas pour lui, ça. Ça signe 10 ans là, pas pour lui, ça. Ça signe 10 ans là pour Dieu, ça. Ça signe 10 ans là, au fait que j'ai allé là, qui 10 ans là, il paye vers Dieu, ça. L'ombre des choses à venir, ce qui peut passer, mon père raconte tout. Puis, dans pour la réalité, Christ paye ce 10 ans à Dieu, pas au diable. Mais ça 10 ans là, ça lance de l'amour là, pas capable de trouver ça, dit. C'est pas ça 10 ans là qui l'a trouvé et l'a pas rentré. Non, pas ça n'est arrivé. Quand il a ça 10 ans là, Dieu pose sur la mélo la case. Suivez-moi bien là. Dieu pose, pour que vous un scénario comment ça ne passe. Parce qu'il dit ça là, il n'a pas retenu à Dieu ça. Dieu qui l'y fait, hein? Je te rappelle un jour, Moïse, Dieu lui a dit, mon métal est rose, dans le creux du rocher, in the cleft of the rock. Et qu'il y fait après, il prend sur la mélo, il pose l'eau, ça trou là. Moïse dans trou rosta, Dieu pose sur la main l'eau, trou rosta, ferme-lui là-dedans, protège-lui là-dedans. Right? Et là, Dieu passait, quand Dieu passait, il tient sur la main pour lui trouver sur les dos, passer au visage, passer au devant. Une protection. Hein? Alors pour moi, voilà, c'est dans Yogin passé. Sac la case de ben enfant de Dieu. Dieu le prend sur la main, pose l'eau sur la case. Lorsqu'il dit, si on a fini, balisonné pour la porte, là, Dieu le protège, parce qu'il dit, si on a pour Dieu, là. C'est Dieu qui trouve 10 ans là. Ça, en de la mot là, pas trouve 10 ans là. Dit. Dieu pose sur la mélo là. Et là, ça, en de la mot là, quand il passait, il trouve ça la case, il donne la mot. Ça, la case qui a 10 ans là, il n'est pas même trouve la case. Waouh! Il n'est pas même trouve la case. Donc, il n'est pas allé, comment dire, shifter. Tuer ça là, shifter ça là. Non, il n'est pas fait ça comme ça. Il tue de plein côté. Sans qu'il y connaît, bon, il vient de protéger la case qui a 10 ans. Pas tout côté dans la case et dans 10 ans, bon, Dieu ne peut pas se nommer. La case, moi, il n'est plus existé pour le diable. La case disparaît dans l'idée du diable. Parce qu'ils sont là pas pour lui, ils sont là pour Dieu. Bon, il y a une affaire. Côté de la main, bon Dieu, il est où avec moi? Ouais, il est où avec moi? Covid, pas pour gagner. Non. Il n'est pas même connu ça où là. Et bon, quand c'est dans la main, bon Dieu, là, moi. Vos cassiers dans la main, bon Dieu. Dieu ne prend une stène. Est-ce que vous pouvez trouver Dieu ne prend une stène? Dieu, il déboute là. Ce body language intéresse. Pourquoi nous pouvons comprendre? Moi, depuis ça, vous êtes les temps, vous pouvez causer là, presque 45 minutes là. Right? Mon vidéo où maintenant? Où enfant de Dieu? Dieu, il finit chez nous. Il met tout dans the cleft of the rock. Il met tout dans le trou là. Dans la case. Et il pose sur la main l'eau. Il bleu coup parce qu'ils sont là pour lui ça. Vous voyez? C'est un joli image, hein? C'est un joli image pour comprendre que tu m'étais aussi. Alors, c'est pour qu'il y ait un enfant de Dieu. Et il y a de nombreux pasteurs qui live là. Et vous trouvez que tout le pasteur est encouragé, ben chrétien. Tu as parfaitement raison. Chacun son maillot encouragé, hein? Chacun son maillot, chacun son ministère, chacun son style. D'une façon, ben là, puis encouragé, ben le pasteur là, puis encouragé. C'est bon, écoute n'importe qui pasteur qui est encouragé. Et moi, j'ai une façon pour encourager. Voilà, ma façon d'encourager, moi, je dis comme ça. Tu vois? Et quand je suis content, comme on dit, j'ai de la salle fermée. Rentre dans le confinement. Fermé. Dieu la colère, Dieu. Dieu là, il y a la colère, là. Dieu, il n'y a pas de temps. Mais sur outcome, vous allez, hein? Sur outcome, vous allez. Et quand vous êtes là, je vais terminer avec ça, peut-être, quelque part par là. Mon réflexion dit ça. Ça n'a fait l'église en quatre mirailles. Mon interroge moi-même. Je me pose moi-même beaucoup de questions. L'église en quatre mirailles fait aimer. Mais qu'est-ce que là, l'église en quatre mirailles fait aimer? L'église est ouverte pour plein de plus grand nombre. Right? Dimanche dernier, moi, j'étais dans presque 1100 views.
du message que je apporté. Mon apporté, c'est une bonne annonce, une annonce que tu fais pendant une minute, pour croire. Vous êtes comme un vieux énant, 500 et quelques. Trouvez? Il y a une large. C'était parce que vous trouvez 3000, 4000, 5000 viewers. Et qui sont ces viewers? Livrés dans l'enfant de Dieu. Mais livrés dans le monde aussi, peut écouter. Oui, dans le monde, peut écouter. Facebook plein avec ben parce que apporte la parole de Dieu. Il est bon, il est très très bien ça mise pour apporter la parole de Dieu là. Quelqu'un qui vous scroll, il vous a trouvé moi là-dedans. Il vous a trouvé quelqu'un de pasteur là-dedans. Il vous trouvez. Et curiosité, vous fallait arrêter. Juste une seconde. Même il coûte 5 minutes, pas grave. Hein. Dans mon temps là, il coûte 5 minutes, pas grave. Mais il vous trouvez. Il vous in touch avec la parole de Dieu. Alors, vous ne connaissez pas encore l'église, 4 mirailles pour fermer. Vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas résumer, hein, parce que pour moi, human touch est important. Moi, très content pour l'église, quand on est ensemble. Ben, frère, c'est le mot d'église, connaît, quand on est ensemble. C'est un autre mood. Je suis très triste qu'il ne soit pas capable de se joindre physiquement. Mais moi, je crois qu'il y a l'évangile pour essayer d'entrer les mondes. Il peut faire l'île à nous. Il peut faire l'île là. Il peut faire l'île là. Vous trouvez? L'évangile appelle partout. Right? Et il m'a envie de dire ceci. Attendre que le Seigneur retourne. Il n'est pas loin. Non, il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Maintenant, le dire. Prépare-nous à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre. Ah, moi, c'est pas quoi dire. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Préparez. Vous avez préparé ça. Ouais. Alors, ce matin, mon frère Moussaïa, merci de n'écouter moi. Merci de pour réécouter moi, peut-être parce qu'il y a un message resté, ça. Merci de pour faire écouter moi. Parce que tu as partagé. On va prendre qui c'est un. Guette-lui en famille. Très bien. Guette-lui en famille. Mixer famille inconvertie là-dedans. Mixer famille inconvertie. Très bien. Et mon courage, God is standing. Body language est important. Il peut débouter. Et il pourrait stand quand quelqu'un pour autre doucement. Covid pas pour doucement. Non. Covid n'est pas un léon. Tu vois? Mais notre Dieu m'a couvert par le sang de Jésus. Recouvert même par le sang de Jésus. Tu vois? Très très important. Et Dieu propose sur la main, pareil magnifique Moïse, in the cleft of the rock. Il met sur la main comme protection. Il doit être protégé, frères et sœurs. Amen. Alors, m'arrête là, on va pas faire la Sainte Seine, quoi. Nombreux sont ceux qui peuvent faire la Sainte Seine. Il n'y a rien de mal, c'est bon. Mais qui fait pas faire parce qu'il ne m'a pas équipé pour. J'ai pas de jus. La boutique fermée. Et je ne pas faire la faire. Je ne connais pas. Si vous voulez faire la si vous voulez faire la parce que la boutique est déjà fermée. Et le supermarché est fermé partout. Alors peut-être quand ça réouvert, on verra. On verra. Right? Mais il y a un peu de risque qui nous a fait faire la Sainte Seine. Merci Seigneur. Et je prends rendez-vous avec vous. Et à jeudi, maman dit, on fait deux fois la semaine. Alors rendez-vous, c'est jeudi, 8h à soir, vous pourrez live encore une fois, pour apporter un message d'encouragement toujours, hein, de la parole de Dieu. Un petit étude ensemble avec le peuple de Dieu. Et moi, pas cause seulement à ceux de Baie-du-Tombeau, certainement. C'est bien quelqu'un qui est cher à moi, à Baie-du-Tombeau, parce que c'est mon église. Mais aussi du monde entier, tous les chrétiens du monde qui fallait dans le monde, l'Angleterre, l'Australie, qui a vraiment un message. Il amène ici à l'Angleterre, qui regarde le message, et merci beaucoup, coucou à eux, dans l'Angleterre, et dans ceux qui en France, qui ont vraiment un message, qui disent, voilà, merci pasteur, on est encouragé, très très content, hein, qui dit, worldwide, on a une soeur qui est au Canada, et message-moi le messenger, et on a contact avec eux, et je crois que je peux guider, ouais. Et jeudi tantôt, 8h, vous pourrez live encore une fois. Et là, la prochaine, il peut justement, dimanche matin, encore une fois, next dimanche, si jamais la situation continue. Alors, au revoir, et bonne journée, bon dimanche, bon appétit à tous. Voilà.